Wesh les frérots, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un test de pureté avec le frérot Zan en vocal qui va réagir avec moi. On va voir si je suis pur ou pas, mais je pense pas trop les frères hein. Bref, si tu veux être présent en direct avec moi, viens sur Twitch, le lien sera juste là ou en description, je sais pas. Oublie pas de t'abonner, la cloche c'est hyper important, on est au début, le pouce bleu bien sûr. Et bonne vidéo. Bon du coup, on se retrouve sur le test, voilà les gars, sur Griffor avec le frérot Zan. Oui. Bon, les gars, avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Oui, personnellement, moi. Voilà, moi, oui. On va commencer. Ça m'arrive souvent, je pense. Voilà. Je pense que ça m'arrive souvent. On va commencer, les gars, avec une question de Bamba. Je pense que tout le monde l'a fait dans le chat. Là, si voilà. Je ferai un sondage sur le chat, je pense que tout le monde l'a déjà fait. Mentez pas. Faites pas les mecs. Exactement. Parce que. Faites pas les mecs ça entre nous parce que vous savez très. De fou. Déjà, voilà, j'allais dire ça. Rien que sur TikTok, tu ris du malheur des gens. C'est hyper triste. Ne riez pas du malheur des gens. Mais bon. Et même sur les threads Twitter là où ça fait les débilos là-bas là où ils sont en train de voler, où ils sont handicapés, mais oui. ça rit là. Oh non mais déjà juste les gars, déjà juste j'ai un truc à dire. Vous rigolez tous des potes de Nasdas, voilà c'est bon, allez hop. Oh mais oui, les potes de Nasdas, me dites pas qu'ils sont heureux. Allez, quoi ça, moi, voilà, trop. La chienté. Je suis désolé, la chienté, j'aime trop mon quartier, la chienté. La chienté. La chienté. Ah j'aime trop mon quartier, la chienté. Bon alors on continue. J'aime trop la carte. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement, physiquement, mentalement ou physiquement oui. Handicapée? Oui, oui. Voilà, ça mousse hein, les frères. C'est horrible. En fait, je pense qu'on va pas être pire. Hein. Vraiment, oh la balle perdue pour Samos. Le roi Théo. Non. Moi, je rigole pas du roi Théo. Moi, je rigole pas avec lui. Mais les gars, j'ai une anecdote à raconter. Au collège, il y avait un mec. On va l'appeler Christophe, mais il s'appelait pas comme ça. Hein. Il était handicapé. Faut voir comment rigoler. Mais je vous jure, je vais aller en enfer à dire ça. Faut voir comment se taper des barres. À chaque fois, il allait harceler les meufs. Il leur faisait je sais pas quoi. Mais il était full handicapé. Il comprenait rien de ce qu'il faisait. Les gars, c'est horrible. Je pense que je vais être le pire fils de pute du chat. Je pense que je suis le pire fils de pute du chat à ce stade-là. Et déjà posé un lapin à une personne. Oui. J'en sais rien. Attendez, je réfléchis. Est-ce que j'ai déjà posé un lapin à quelqu'un? Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? En mode, je lui donne rendez-vous et je viens pas. Non, frère, c'est bon aussi. Oui, moi je l'ai déjà mis. Non, mais c'est une dinguerie, frère. Moi je l'ai déjà mis. Non, c'est trop. Faut être un gros connard. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Non. Là j'ai 3-8-6 et une bouteille de Jack D juste en haut. Bon, oui. Ouais, voilà. Avez-vous déjà été ivre? Non. Non. Avez-vous Tu fais ça en hésitant. Quoi? Oh là là. On est d'accord, le bouton vert c'est non. Hein? Genre c'est non. Ouais. Oui voilà, enfin c'est comme ça. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? Bon, au bout d'un moment, on m'appelle pas Jean-Marie Bigard. Que des questions sur l'alcool. Je suis pas Gérard Depardieu. Bon, hein. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Qui tombe quoi. On n'est pas des bouffons quoi. Quoi? Ah bon. Vous êtes déjà vous pissé dessus quand vous étiez ivre? Bon, non, faut pas abuser. Hein. Non. Doucement. T'as envie de pisser, tu vas aux toilettes ou tu vas dans le jardin, frère, tard les animaux. Arrête pas, nous, tu t'es déjà pissé. Non, mais t'es ouf! Pas parce que je suis bourré. T'es fou. Imagine en pleine soirée, t'es fou. Bourré, non, mais les gars, vous déjà vomi sur vous ou quelqu'un d'autre? Bon, j'ai une tête. J'ai jamais vomi de ma vie, par contre. Il mouche jamais. Quoi? T'as jamais. Mais ton corps, il est fait comment? T'as jamais vomi de ta vie, genre. Jamais vomi. Jamais. C'est. D'ailleurs, je sais même pas c'est quoi la sensation. En vrai, c'est bien, surtout quand tu ravales et tout. Bref, bon. Avez-vous déjà. Quoi wesh, non, mon ref. Hein non, Zan, c'est pas un humain, mais de fou, il est pas humain. Mais faut aller à l'hôpital, mais bien sûr qu'il faut se faire opérer là. J'ai jamais vomi, mais j'ai jamais été. Enfin, les seules fois où j'ai eu mal au ventre, c'est quand j'avais des diarrhées. Waouh, on veut pas de détails. On en veut pas plus, ça ira. Bon, vous êtes. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Non, mais je me suis déjà fait recal d'une boîte de nuit. Ça, c'est totalement réel. Emoji, c'est les gars dans le chat, s'il vous plaît. Mais frérot, t'en prends plein. Mais genre, tu vois? Quand tu te prends une écharpe. Ton égo, il oui, non, mais de ouf, ton égo, il part, mais comme as. Genre, t'as l'impression d'être une sous-merde de l'humanité. J'ai bu une seule fois. Bref, du coup, non, mais je me suis fait recal. Et d'ailleurs, l'alcool, les gars, pas avant 18 ans. Faites attention, les refs. Non, voilà, disclaimer.
petit disclaimer, pas avant 18 ans les frères. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Non, non, non. Non, là-bas tu te fais piquer frère. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Non mais... Tu sais, je vois trop la personne faire ça dans ma tête. Tu sais, les questions, je les vois trop se visualiser. C'est trop dégueu. Non mais on est où? Frère, il met du sucre, il met du sel, il met... Ah moi il fait sa petite recette, tac tac, il touille, hop, petit shot. Je bois mon vomi. On est où frère? Oh, doucement. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un? On est où? Ah, c'est du sperme ou quoi? Toi là, regarde-moi dans les yeux là. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est n'importe quoi. Je suis sûr dans le chat là, il y en a un qui l'a fait. C'est pas genre. Goûter, c'est bon. Voilà, tu vois, non. Eh, Dylan, on a vu. Les paroles, les paroles s'envolent, les écrits restent. Là, t'as écrit, on a vu. On a vu. Ça va surtout rester à la rediff. Hein. Voilà, exactement. Du coup, non, frère. Tu mets à un endroit qui n'est pas prévu à cet usage. Oui, bah oui, frère. Les gars, on va dire un truc. On est des humains masculins, tu vois. C'est trop pratique. Ou non, c'est trop pratique. Tu peux pisser où tu veux. Gars, t'as juste à sortir. Tu sors dans un endroit. Voilà. Tu sors des cours, tu mets dans un petit coin, personne te voit. Tu exactement. Et après, tu refais ta vie. T'as juste à sortir plus, ton manga là-bas. Après, moi, c'est un peu compliqué parce que vous voyez l'engin que je dois. L'engin que je dois sortir, quoi. Enfin. Ah, mais parce que tu croyais que c'était c'est une jambe, ça un troisième engin. Ah non, ça c'est. C'est un mutant, tu vois. C'est un camouflage, juste. Bon, c'est un peu galère, tu vois. Genre, je dois sortir ça, mais. Tu le sors quand tu veux, hop, tu dégaines, c'est fini, hop, tu ton pisses engin, tu n'empêche, hein. Bien sûr qu'il est gros. Un peu gros, ça. Avez-vous essayé... J'ai déjà essayé la drogue. Non. Oui, vas-y, ah, mais attends. 10 balles tous les jours. Si. Je vais prendre la coque. J'ai déjà essayé. Mais les gars aussi, tu sais, moi, je suis un ancien, j'ai fait l'extasie, t'as pris quoi, dis-nous tout, maintenant. Non. Dis-nous tout. Ça, ça reste entre... Non mais après si je dis pas on va croire que je suis un fou furieux. Mais si des 10 balles je pense. Et c'était des 10 balles, le plus truc c'était des 10 balles. Je sais pas, la coque, non mais vous êtes des fous furieux, pas de la dure. Mais non. Ça veut dire oui ou non, t'inquiète. Oui mais genre une fois, oui voilà, une fois et c'était pas... En plus ça m'a rien fait. En plus, oui voilà, c'était pour essayer et en plus ça m'a rien fait. Voilà. Moi je suis un homme, je combats la drogue. Indiquez le nombre de drogues essayées. En mode, il y en a un, il a mis 5 là. Du coup, t'as pris que des... Oui, une seule, mais il y en a un, il a déjà, il en a mis 5. Les gars, avez-vous déjà vendu de la drogue? J'ai une anecdote, les gars, à raconter. J'étais dans un camping, donc je me balade, j'avais des locks. Tard l'époque, j'avais des locks, tu pourras mettre. J'avais des locks. Donc, les frères, ouais. Ça y est, un noir avec des locks dans un camping en pleine campagne où il y a que des bien blancs. Bien, ça fait un peu le Jamaïcain, bien white house, tu vois. De la life. Ça fait bien le Jamaïcain qui profite de la vie. Exactement, tu vois, donc du comme coup, notre hop, je me balade et tout, normal. Mais surtout que c'était il y a longtemps, genre j'étais petit quand même, genre j'étais mineur quoi. Plaquette, chaussette, là putain, je suis pas trop là. Et là, m'a. Il y a un mec, genre je traînais avec des un peu plus grands et tout, et y a un mec qui me dit: tu veux de la beuh? Tu vends de la beuh, tu vends, j'ai dit tu vends de la beuh. Il arrive, mais le mec arrive me dit souvent, tu vends de la beuh. Moi, il y a un de mes potes, tu vois, ils étaient ils allaient faire un camping, tu vois. Et genre d'ailleurs, il avait fait un shooting photo, il était en cam sur Discord à ce moment-là pour nous parler. Et genre, on a fait full screen. Et genre, ouais. Il me fait: regarde-moi ça, ça c'est de la vraie. Et en plus, il était drogué, je suis sûr, il était drogué. Et genre, il me fait: ça c'est des 10 balles, mon gars, t'inquiète, on vend ça à la... on vendait ça à la sauvette à côté, t'inquiète pas. On vendait au petit. Mais vraiment, il y a des gens qui les achetaient, je disais, wesh. Non, mais on m'a. Voilà, on me demandait si je vendais. On m'a demandé si je vendais de la drogue, alors j'étais. Et en plus, il était tellement bruit qu'il faisait des le soir, elle croit que c'est la seule, mais y'a toutes ses copines qui veulent me voir. Elle marcelle au bigot, mais moi je suis sur mon avion le soir. Elle croit que c'est la seule, mais y'a toutes ses copines qui veulent me voir. Elle marcelle.